Soyez les bienvenus, les enfants, à cette soirée d'Halloween. C'est bizarre, un orage sans nuages. Sûrement une tempête géomagnétique. Oui, friandises. Elles sont où, les friandises? Ne vous inquiétez pas, les enfants, elles sont là. Oh, c'est beau. Ah, miam. Mais attention, pour casser la piñata, il vous faudra fabriquer un bâton qui soit assez grand pour la manœuvre. Un bâton composé d'un sceptre de momie, d'un bras de zombie et d'un balai de sorcier. Cette année, je me suis permise de compliquer un peu les choses. Waouh, quelle imagination quand même, ta fille. La piñata est à moi. C'est pas pour toi, c'est pour les enfants. Chacun son tour, les enfants. Ouvre cette porte, ta fille. Je sais que t'es là-dedans, ta fille. Qui ose perturber le sommeil éternel de la momie? Un sceptre de momie pour faire le bâton? Prends garde, piñata! Me voilà! Ça pourrait faire le buzz sur Internet! Ne me dis pas que c'est à ça que tu passes tout ton temps! Je commence à comprendre pourquoi t'arrives à rien! Bon, excuse-moi, mais j'ai une envie pressante. J'en reviens tout de suite. Vous jouez au football avec nous? On joue au baseball avec vous! Le fantôme raton laveur! J'en connais un qui va passer une très mauvaise nuit. Et ce quelqu'un est en face de moi. Je ne peux pas m'échapper. Je sens ton haleine de croquette jusqu'ici. Méfie-toi, je sais m'en servir. Eh oui, et c'est toujours. Et une à terre, une. Alors, fais-moi le malin. Hein? Tu fais pas le point. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Alors fais pas cette tête et j'aurais pu être empoisonné ces fléchettes. Comment combattre un vampire? Les vampires sont allergiques à l'ail. Oh, écoute ça! Les vampires ne se reflètent jamais dans les miroirs. Oh ben j'ai encore mieux! Les vampires détestent la lumière du soleil. Merci, mon cher, pour cette belle promenade. Cela me rappelle notre jeunesse, Birgit. Notre jeunesse? Oh! Comte, étrange, je ne vous vois pas dans le miroir. Comte, où êtes-vous? Ah, vous voilà. Tout va comme vous voulez. Tout va bien. Venez, continuez à me faire visiter votre magnifique jardin. De l'ail dans un cerisier? Comte, que vous arrive-t-il? Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Birgit, veuillez m'excuser une petite minute. Une urgence à régler. Vous me cherchez, je suis là. Ça fait 300 ans que j'attends de revenir à la vie, alors je ne laisserai pas tout gâcher par deux parasites comme vous!
bon débarras. Non, on ne reverra plus jamais Madame Milsou. La suite de cette histoire ne sent vraiment pas bon. Mais oui, pas bon. Relax, mon pote, j'ai un plan. Et laisse-moi te dire que le temps joue contre lui. Oh, nous allons pouvoir admirer le lever du soleil, c'est tellement romantique. Venez, rentrons, il commence à faire frais. Mais le lever du soleil. Oh, vous savez, un lever de soleil, c'est très surcoté. Que vous arrive-t-il encore? Continuez, Brigitte, je reviens dans un instant, d'accord? Alors, cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas. Sortez de votre trou! Oh, tu me fatigues! Ah! C'est terminé! Cette fois, t'es fichu! Qui ose troubler mon repos sacré? Toi, chien, comment oses-tu menacer un animal sacré? Moi? Un animal sacré? Miaou! Oh, qu'il est mignon, ce petit minou! Viens par ici, petit chaton. Je vais te protéger et retrouver celui qui a troublé mon repos éternel. Sans doute le propriétaire de cette pyramide. Madame Milsou! Le soleil a été enfermé dans cette bulle. Quel est ce sortilège? Étrange sarcophage. Je pense que ce garçon est resté trop longtemps enfermé. L'entité qui dirige cet endroit doit être dotée d'un énorme pouvoir. Une salle des offrandes. Miaou! Ce doit être la maîtresse des Liu. Ma punition va être exemplaire. Cette momie est super dangereuse. J'ai trop peur pour Madame Milsou. Oh, ça va, Bentley, c'est juste ton imagination. Il faut qu'on réagisse avant que cette momie lui fasse du mal. Me penses-tu? Miaou. On ne touche pas à l'animal sacré. Voilà, bien fait. Oh, chat sacré, puissiez-vous m'accorder votre protection magique en échange de quelques humbles offrandes? C'est le trésor de... Oui? Oui! Le trésor de... Oui! De l'amitié! Eh oui, dans la vie d'un pirate, l'amitié est de loin la chose qui compte le plus. J'étais le plus riche des pirates et cela ne se mesurait pas en bijoux. Non, j'étais riche car j'avais aussi de nombreux amis pirates. L'amitié crée un formidable lien d'amour qui permet d'ensemble être... J'ai pas tout compris, là. Il est où le trésor? Comment je pourrais le savoir? T'es qu'un menteur. Non, c'est toi le menteur. Déménager le samedi, le vendredi... Mais enfin, ne partez pas! Je comptais sur vous pour m'aider à nettoyer mon coffre. Il est rempli de cochonneries dont je veux me débarrasser.